Thérèse, pour XR Rébellion, expliquez-nous ce que vous faites là dans Chambéry. Alors là, on déroule un tapis de publicités, donc des publicités qui sont affichées dans l'agglomération de Grand Chambéry. Et l'idée, c'est de dénoncer l'impact de la publicité dans notre quotidien, mais aussi de faire le lien au niveau local avec le projet de règlement local de la publicité, pour faire en sorte que les revendications citoyennes soient prises en compte dans ce projet-là. Sachant qu'à ce jour, il n'y a que 2 revendications sur 8 qui ont été prises en compte. Et donc voilà, l'idée c'est d'aussi interpeller le public et les habitants de la ville de Chambéry pour qu'ils se rendent un peu plus compte de l'emprise de la publicité dans leur quotidien. Donc voilà. On retient les abonnés. Et sur Paris ou sur Lyon, c'est carrément les toilettes publiques. Donc techniquement, ça voudrait dire que la ville. Il y a certaines villes qui ont pris le parti pris de retirer les abonnés et de prendre en charge la reconstruction d'abonnés. Là pour parler du règlement local de publicité intercommunale, dont l'enquête publique commence lundi. Donc chacun pourra donner son avis sur la publicité en ville ou s'il a envie de lire tout le règlement, donner son avis sur le règlement. Et donc s'ils veulent tout simplement pousser les 8 points qui nous semblent importants pour nous, il y a une pétition qui est déjà en ligne depuis quelques mois, en fait depuis qu'on a commencé les débats avec la mairie, et on est à un peu plus de 1000 signatures et donc qui présente les 8 points en question. Elodie pour Greenpeace, l'agglomération de Grand Chambéry a voté quand même dans le règlement intercommunal sur la publicité des améliorations. Est-ce que ça vous satisfait ou pas ? Non, pas vraiment. C'est vrai qu'il y a quelques améliorations, quelques points qui vont dans le sens qu'on souhaitait. Il y a plusieurs points qui, pour nous, ne vont pas. Par exemple, l'extinction totale des panneaux, parce que c'est du gaspillage. C'est vraiment, enfin, purement pour commercial. Au final, ça n'apporte rien. La nuit, hein, c'est ça. C'est ouais. Ça. La nuit, en fait, tout le temps. Parce que là, pour l'instant, ça s'éteint avec la coupure de la ville. Donc, de minuit à, alors, je crois que c'est 7h en ce moment. Mais on veut que ça s'éteigne. Il y a des panneaux qui restent allumés. Hein. Oui, en effet. Les panneaux à l'extérieur de la ville, les gros panneaux, surtout les gros panneaux de commerce. Exactement, parce que ça fait aussi partie de ce règlement local. Ça, en fait, il gère aussi les enseignes et les vitrines. Et c'est vrai que sur Chambéry, il n'y a pas énormément d'enseignes qui restent allumées la nuit. Mais par contre, il y a beaucoup de vitrines. Et donc, elles sont censées être éteintes entre 1h et 7h du matin, mais elles sont loin de le faire toutes. Alors, fondamentalement, pourquoi c'est important qu'il y ait moins de publicité dans la ville ? Parce que finalement, il y a une dimension de la publicité qui est informative, qui informe sur les sujets. Alors, on n'est pas contre la publicité informative. Tout ce qui est information d'association, etc., nous pose pas de problème, au contraire. Mais par contre, nous, c'est le côté vraiment commercial qui pousse à la surconsommation et toutes les publicités sexistes ou racistes qui nous gênent beaucoup.